Bonjour, bonjour, bienvenue sur Info Plus. Encore Samassi pour de nouvelles présentations. Alors, bien avant tout, abonnez-vous massivement à ma page YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et pour ceux qui ont la première fois de voir ma page. Cliquez sur le bouton rouge et cliquez aussi, laissez un pouce bleu, si j'aime. Moi, je suis là pour aider tous ceux qui ont demandé de la vie que Dieu vient précisément de l'élevage. On parle aujourd'hui des poules fondeuses, des réserves. Qu'est-ce qu'un réserve? Comment ça se passe? Et à quoi ça aboutit? Merci pour la présentation. Ok, comme ce que je vous le disais, bon, nous sommes arrivés pour une nouvelle présentation. J'avais parlé de réserve. Qu'est-ce qu'un réserve? Voilà. En élevage, nous parlons de réserve pour ne pas qu'on soit en manque d'œufs. On fait toujours des réserves. Pendant qu'il y a une bande qui est en pleine productivité, vous prenez une bande qui n'est pas en productivité, mais qui sert des réserves. Lorsque vous allez livrer l'ancienne vague, c'est comment ça marche. Donc vous voyez ici, c'est pondé que nous avons présenté. Ils vont commencer à pondre. Ils vont commencer même à pondre. Observe que vous voyez les pondoirs. Quand vous regardez dans les vidéos, pour l'instant, il n'y a pas de pondoirs. Ces pondoirs servent d'endroit où les poules vont venir pondre des œufs. Vous pouvez voir ici. Ça, c'est tout un grand bâtiment. Ici, vous voyez à côté ici. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ce petit endroit? Ce petit endroit est un coin aménagé, soit lorsqu'il y a des chiens, ou bien ici, soit aussi pour les pondeuses qui ne sont pas bien portants. Vous voyez, c'est tout un long bâtiment, un grand bâtiment. On voit ici ce qui fait, c'est normal pour inciter les poulets à venir manger. Il vient, il pousse l'aliment, c'est les aliments qui sont au fond, vers l'extérieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous aussi. Vous faites quoi? Vous faites quoi actuellement? Je passe la main dans le mangeoir afin de permettre aux poules de pouvoir manger. Si on veut voir pour que les becs puissent atteindre l'aliment. Merci. Nous allons venir dans un second bâtiment. Ce bâtiment, j'ai été un peu là pour moi. On vient dans ce bâtiment et c'est le même âge. Hein. Oh, ce sont les pondoirs que vous voyez. Voilà pour moi, il y a différentes façons de faire. Bon, c'est comme ça, nous avons l'habitude. C'est comme ça, nous faisons nos pondoirs. Et c'est ce que moi je conseille. Puisque lorsque c'est comme ça, ça empêche les poules de casser les œufs. Comme je vous l'ai parlé, c'est l'espace entreposé pour les poules qui sont un peu souffrant ou bien celles qu'on frappe.
Donc, à ceci, je vous ai déjà parlé un peu, on va tout parler dans une seule vidéo. Il y aura plusieurs vidéos. La prochaine vidéo, les détails qui m'ont échappé et selon les commentaires, je vais encore faire d'autres vidéos pour parler ce que j'ai promis qu'il ne va plus parler. Merci et abonnez-vous massivement à ma page. Bienvenue et suivez-moi tout de suite. Info Plus, c'était Samassi TV Info Plus.